volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Tu peux peut-être tromper Mariana autant que tu veux, papa. Mais avec moi, les choses sont complètement différentes. Tu vas arrêter de fumer et c'est tout. D'accord, d'accord. Non, il ne s'agit pas de me dire d'accord, ça ne fonctionnera pas avec moi. Je vais veiller à ce que tu mettes ton oxygène à chaque fois que le docteur te l'a ordonné. Tu m'as bien compris? Et tu vas aller à toutes tes thérapies respiratoires. Alors tiens. Allez, d'accord. Si je ne le fais pas, alors quoi? Eh bien, je ne veux vraiment pas te menacer, papa. Mais tu te souviens de ce qui s'est passé avec Adrie? Je ne crois pas que tu voudrais que tout le monde le découvre. Eh bien, ce n'est plus vraiment un secret. Adrie a tout raconté à Alicia. Quoi? Oui, Alicia est venue me voir et elle a fait un terrible scandale. Parce qu'apparemment, j'ai tenté d'abuser de sa petite fille. Et pourquoi tu dis soi-disant? Tu ne peux pas dire soi-disant, car tu as bien essayé de profiter d'Adrie. Eh bien, prends-le comme tu veux, toi. Ce qui m'embête, c'est que tu me menaces toujours avec cette histoire. Et si je suis malade, c'est que simplement parce que tu me stresses avec tout ça. Je n'y crois pas. Allô? Salut Scarlett, c'est Tony. Comment ça va? Pourquoi est-ce que tu me parles sur un ton aussi grave, comme si nous étions fâchés tous les deux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, il se trouve que j'ai du travail pour toi. J'ai déjà quelqu'un qui me représente. Parle-en à Adelaide Saint-Rouen. Attends, ma belle, tu n'aimerais pas qu'à l'avenir, je devienne ton agent personnel? Tu vois, depuis un moment, quelques copines et moi essayons en quelque sorte de monter. Tu sais, comme... Une agence de mannequinat, et nous sommes intéressés de recruter tout de suite les top modèles du pays. Les meilleurs, les plus jolis, les vrais professionnels, quoi. Je suis très heureuse avec Adelaide. Écoute, eh bien alors, voyons les choses autrement. Comprends bien ce que nous voulons te proposer. Si par hasard, pour quelque raison que ce soit, ça pourrait être n'importe quoi, tu vois, Adela te vire de son agence, ou qu'elle s'en va, ou quelque chose d'autre. Fais-moi l'immense plaisir de reconsidérer notre offre, sachant que nous t'attendons les bras ouverts, ma chérie. C'est du sérieux, Scarlett, nous sommes en train de réunir... les meilleurs qu'on puisse trouver dans le domaine de la mode. Ah, au fait, je ne vais pas t'ennuyer avec tous ces détails, mais... dès que tu prends la bonne décision, appelle-moi, tu veux? D'accord, au revoir. Non, mais ce qu'elle peut être idiote, tu sais, une vraie idiote. Mais bon, ce n'est pas bien grave, car je suis certain que dans un proche avenir, dès que sa relation avec Adela se termine, elle viendra chez nous. Continue d'appeler. Celui-ci n'est pas très joli, mais bon. Allez-vous continuer à utiliser le téléphone? Vous avez fait plus de 30 appels. Eh bien, Miguel Angel, comment recrute-t-on des top modèles? Pour créer une agence de mannequinat, il faut bien appeler des mannequins. Alors trouve-toi un bureau, car ici, c'est mon studio. Miguelito, n'oublie pas que tu es notre photographe de mode préféré. Tony, continue d'appeler. Mariana. Ma chérie. Ma chérie. Ne me touche pas. Mariana, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer. Je sais tout. Non, tu ne connais pas toute l'histoire, Mariana, écoute. J'ai essayé de te dire toute la vérité pendant des jours, mais je n'ai pas trouvé le bon moment. C'est pourquoi j'ai planifié ce voyage sur la côte, mais quand j'ai voulu te le dire, Scarlett est apparue. Tu es un misérable. Oui. Oui. C'est vrai, je suis un imbécile. Je me suis comporté comme un idiot. Comme un abruti même. Mais je t'aime. Tais-toi. Mariana, je t'aime. Je... Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est être sincère. Et l'amour veut le meilleur pour l'autre. Ne jamais tromper celui qu'on aime, c'est ça l'amour, Roberto White. Quelque chose que tu n'as jamais ressenti auparavant et que tu n'auras jamais dans ta vie. Oui, je comprends tout à fait. Mais ce que je veux simplement te dire, c'est que ton agent est complètement cinglé. Et ça, tout le monde s'en est rendu compte. En plus, elle se mêle de la vie privée. Lena,
Pourquoi tu es revenue en Colombie? C'est pour consoler Béatrice. Tu sais que ma sœur se sent très seule depuis que Roberto l'a laissée tomber. Non. Non, je ne pense pas que tu sois venue pour être avec Béatrice. Tu es venue pour autre chose, n'est-ce pas? Tu sais très bien que je tire toujours profit de toutes les situations. Tu me connais bien. Et parce que je te connais très bien, je te préviens, tu ne pourras pas profiter de moi. Je ne suis pas Jean-Paul. Miguelito, Jean-Paul fait partie de mon passé et il est resté à Paris. Il s'est noyé dans la Seine. Quoi? Regarde, je l'ai découvert ce matin alors que je jetais un coup d'œil rapide dans les joueurs de français. Qu'en penses-tu? À ce qui paraît, le gars avait des problèmes financiers et il a eu une crise. Et il n'a pas pu résister à la pression et s'est retrouvé au fond de la rivière. Jean-Paul s'est suicidé. Mariana, je sais que je t'ai vraiment déçu. C'est la vérité. Je t'ai caché ma véritable identité. Je ne t'ai pas dit que j'étais Roberto Wright, mais pour tout le reste, j'étais vraiment sincère. Je t'aime. Je voudrais que tu m'épouses. Tu es complètement fou. Mariana, sache que je t'aime. Nous sommes tous les... Ne t'avise pas de parler de nous. J'ai rencontré un homme dont le nom était Bobby Casablanca. Un homme honnête et loyal, qui m'a toujours dit la vérité et en qui je me suis toujours confiée. J'allais épouser un homme tendre et déterminé. Spontané. Et j'avais décidé de passer le reste de ma vie avec cette personne parce que je l'aimais et que je n'avais jamais aimé quelqu'un comme j'aimais Bobby. Il s'appelait Bobby Casablanca. Mais Bobby n'existe pas. Tu l'as tué. Bobby n'a jamais existé. Mariana, mais moi si. Tu n'es qu'un dégonflé, Roberto Wright, un imbécile. Tu ne fais que penser qu'à tout ce qui te convient. Et tu ne songes qu'à t'amuser. Jouer avec les femmes. Et tu as joué avec moi. Et avec ma petite sœur aussi. Avec ta sœur, il ne s'est rien passé du tout, crois-moi. Je t'interdis de t'approcher de ma sœur, tu m'entends? Si c'est ce que tu veux. Oui, c'est exactement ce que je veux. C'est pourquoi je suis ici. C'est pour que plus jamais, alors plus jamais, tu ne puisses t'approcher de ma sœur. Et ceci... Tu peux la mettre dans le cercueil où se trouve Bobby et... Mariana, s'il te plaît... Je ne veux plus jamais avoir de tes nouvelles. Je savais que Roberto Wright était un homme méchant. Mais jamais je n'aurais pensé que tu pouvais tomber aussi bas. Et tu sais quoi? Un homme comme ça qui peut faire tant de mal, ben je n'en veux pas dans ma vie. Et pourquoi tu me montres tout ça? Parce que tu le connaissais, n'est-ce pas? Vous viviez bien ensemble? Non, en fait, nous avons simplement fait des voyages ensemble, et c'est tout. Jean-Paul était un abruti. Tellement abruti qu'il a coulé comme un rocher dans la rivière. Et même qu'il rapporte ici qu'ils ont sorti son cadavre avec une grue spéciale. Qu'est-ce que tu as fait à Jean-Paul? Je suis de ceux qui se suicident, et je veux bien te le prouver. Lina. Mais réponds-moi. Qu'est-ce que tu as fait à Jean-Paul? Ce silence te rend déjà coupable. Coupable de quoi, au juste? Alina, je te connais depuis longtemps. Je sais que tu sortais avec ce millionnaire français, que tout ce que tu faisais, c'était de voyager du côté de la Méditerranée, l'Égypte, la Grèce. Il t'offrait des fourrures, des bijoux. Tu l'as bien plumé. Et aussitôt que le gars était ruiné, tu l'as poussé dans la rivière. Et comme il était lourd, il a très vite coulé. C'est ce qu'on appelle un assassinat. C'est ce qu'on appelle un suicide. Lis bien. Imbécile. Tu es impitoyable. Oui, tout comme j'ai souffert avec les White. Les White? Allô? Salut, Linda. C'est moi, Gonzalo.
Gonzalo, mon amour, comment vas-tu? En fait, je vais bien. Mais il y a Roberto qui m'inquiète beaucoup. Oui, je peux l'imaginer. Il avait l'air heureux de ne pas avoir à donner un sou à ma sœur. Non. Il a toujours voulu que Béatrice soit à l'aise sur le plan financier. Mais demander la moitié de ses actifs, c'est une exagération. Lina, j'en ai parlé avec Béatrice. Et avec tout mon respect, ce serait mieux... Je t'ai dit de ne pas parler à Béatrice. Mon amour, souviens-toi, on avait décidé de gérer ça, toi et moi. Finalement, on forme une super équipe et je suis sûre et certaine que nous finirons par trouver la meilleure solution qui fera que tout le monde sera enfin satisfait, mon chéri. Parfait, je viendrai tout à l'heure. Oh, et... J'ai pu trouver un super resto où manger. Je t'embrasse. C'est lui, ta prochaine victime? Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Tu es en train de flirter avec le vieux Gonzalo. De cette façon, tu vas le plumer lui aussi. C'est ce que tu prévois de faire, n'est-ce pas? Et pourquoi tu le défends? Je pensais que tu ne l'aimais pas. Peu importe à quel point je le déteste, je n'aimerais pas qu'il se noie dans une rivière. Et encore moins dans la rivière de Bogota. Se noyer dans la rivière de Bogota? C'est seulement un égout. Et Tony, tu as fini de parler à tous les mannequins? Parfait, alors je pars. Lina. Fais attention. Au revoir. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Parce que tu n'es pas venue en Colombie pour être avec ta sœur, c'est évident. Je ne sais pas ce que t'ont fait les White, mais c'est clair que tu les détestes. Miguelito, arrête d'imaginer des choses. Imaginer? Donc je m'imagine que tu veux contrôler la meilleure agence de mannequins, du magazine de mode que va diriger Juan Carlos, de l'atelier de Béatrice, de la fortune de Roberto? Hé, ça fait un peu beaucoup à gérer, tu devrais faire attention à ne pas t'en mêler. Je suis très organisée. Je suis venue en Colombie pour tout ça et je suis prête à tout. Fais-moi confiance. Eh bien, c'est sûr, tu es tellement stupide, écoute. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Étonné, tu penses pouvoir raccrocher ce jour? Ce que je vais te dire, le plan initial, c'était que nous déjeunions ensemble, d'accord? Et moi, j'ai déjà acheté les pâtes et tout ce qu'il nous faut, et maintenant tu me dis que nous déjeunons chez tes parents. Ah, mais vraiment, quel abruti! Les hommes, franchement. Au revoir, beau mec. C'est Lina qui s'occupe de mon divorce, alors je préfère qu'on l'attende pour qu'on en parle tous ensemble. Je suis d'accord, nous allons certainement l'attendre. Mais entre-temps, nous pouvons discuter. Béatrice, dis-moi, quand as-tu subitement changé d'avis? Parce qu'avant, tu ne voulais pas de l'argent de Roberto. Tu as regardé la télévision ce dernier jour? Parce que si tu l'avais regardé, tu comprendrais. Toutes les maîtresses de Roberto sont en train de faire la une de l'actualité. Béatrice, arrête de prêter attention à tous les potins rapportés dans la presse. Ce ne sont pas les rumeurs des médias, Gonzalo. C'est la réalité. Une réalité où j'ai l'air stupide et ridicule, car je suis celle qui n'a pas su garder son mari et qui n'est même pas capable de réclamer son dû. Et tout l'argent que Roberto dépense avec ses maîtresses est aussi le mien. Non. Et je refuse de continuer à financer les maîtresses de Roberto. Figure-toi que la dernière, cette Scarlett, est apparue à la télévision en disant... Qu'elle et moi pourrions être amis parce que nous avions tellement de choses en commun. Tu imagines ce que je ressens? Et maintenant, il l'aide à payer l'ensemble de ses frères. Ah non, Roberto ne sort plus avec Scarlett. Ah, ils ne sont plus ensemble, il y en a déjà une autre. Non, ne t'inquiète pas, c'était parfaitement prévisible. Hein? Avec qui il sort maintenant, Gonzalo? Ça n'a absolument aucune importance. Si, c'est vraiment important. Je veux le savoir avant que ça passe à la télé. Je ne sais pas. Arrête de me mentir. Si nous commençons par des mensonges, ça va très mal se passer. J'ai toujours été si malchanceuse avec les hommes, mais... Mais celui-là, Juanca, je ne peux y croire. Attends, un moment. Explique-moi pour que je puisse comprendre. Maintenant, Bobby ne veut plus t'épouser. Bobby n'existe pas. Je suis complètement perdue, là. Si Bobby n'existe pas, alors dis-moi, Mariana, qui est cet homme qui t'a demandé en mariage? Un imposteur, un imbécile, un menteur, le pire des hommes sur cette terre. Quelqu'un qui sortait avec moi pendant qu'il sortait avec ma sœur, Juanca. Mariana, excuse-moi, mais c'est horrible que ta sœur ait pu faire quelque chose comme ça, te voler ton copain. Il s'est permis de tromper ma sœur par la même occasion. Ma sœur n'a aucune idée que nous sortions toutes les deux avec le même type. Mais qui est ce mec? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi pas? Parce que ce qu'il me reste à faire, c'est de quitter ce travail et m'en aller loin d'ici, Juanca. Je ne serais pas du tout capable de regarder Madame Béatrice en face. D'ailleurs,
Eh bien, je n'arrive même pas à me regarder dans un miroir. Je voudrais me cacher, Juanca. Je voudrais changer de quartier, de planète, d'univers. Mais qu'est-ce que je peux faire, Juanca? Ah, je veux mourir. C'est bon, arrête maintenant. Mais avant de mourir, raconte-moi toute l'histoire. Dis-moi, qui est ce mec? Parce que si c'est bien celui à qui je pense... Roberto White! Oui. Bobby Casablanca n'a jamais existé. Roberto a inventé... toute cette histoire pour... bah, pour se moquer de moi. Ah non. Mais ça n'a absolument pas d'importance avec qui sort Roberto. De toute manière, tôt ou tard, tout le monde va le savoir. À la télévision? Par la presse ou simplement par l'indiscrétion d'un ami ou par les propos de Roberto. Mais pas par moi. Erreur. Tu vas devoir nous le dire tout de suite. Mais pourquoi donc? Au lieu de vous prendre la tête à poser tant de questions, vous devriez saisir cette opportunité. Quelle opportunité, Gonzalo? Pour négocier un bon accord financier en ce qui concerne ton divorce. Roberto est prêt à te donner la moitié de tous ses biens. C'est ce que tu espérais, n'est-ce pas? On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi commode. Mais apparemment, Roberto a finalement changé d'avis. Il veut se remarier, c'est ça? Il veut se remarier! C'est pour ça qu'il est généreux. Si Béatrice veut de l'argent, alors donnons-lui afin qu'elle me donne ma liberté et que je puisse épouser une femme plus jeune et plus jolie. C'est ce que pense Roberto, n'est-ce pas, Gonzalo? S'il te plaît, Béatrice. Ne le prends surtout pas avec autant de ressentiment. Au contraire, tu devrais accepter cette opportunité. Je ne saisirai pas cette opportunité. Et je ne laisserai pas Roberto en paix pour de l'argent. Béatrice, réfléchis un peu. Nous ne parlons pas uniquement d'argent, mais de plusieurs millions. Raison de plus, il ne fait que m'humilier. Il me traite comme une de ses vulgaires maîtresses, alors que je suis sa femme. Qui c'est, Gonzalo? Qui c'est? Dis-le-moi! Béatrice ne doit pas savoir que tu étais avec Roberto. Mariana, pas question. Tôt ou tard, elle le saura. Si nous ne lui disons rien, elle ne le saura jamais. Je dois lui dire, Juanca. Pour quelle raison? Cela va ruiner la relation entre vous deux. Et cela ne fera que vous apporter encore plus de souffrance que vous en avez en ce moment. S'il te plaît, Mariana, réfléchis. Béatrice te fait confiance, elle t'aime bien. Et moi, j'étais avec son mari. Tu n'en savais rien. Roberto t'a manipulée. Je l'ai laissé me tromper. Parce que j'étais stupide, Juanca. J'étais si stupide. Mariana, tu n'étais pas une idiote. Tout ce que tu as fait, c'était te comporter comme une femme amoureuse qui fait confiance aux gens. Écoute, bien sûr qu'il y a un méchant dans cette histoire, mais ce n'est pas toi. C'est Roberto, c'est lui qu'il faut blâmer pour tout cela. Et ce n'est pas à toi ou à Béatrice de payer pour ses erreurs. Je ne peux pas, je dois lui dire. Écoute, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Des choses qui devraient toujours rester secrets. Parce que si elles sont dévoilées, cela causerait énormément de souffrance. Mariana, à ce sujet, nous devons être pragmatiques et réalistes. Tu dois continuer à vivre ta vie. Et tu ne peux pas quitter ton travail et ruiner ton avenir parce que Roberto White est un abruti. Mariana, regarde-moi, s'il te plaît. Mariana, s'il te plaît, promets-moi que tu essaieras de te retenir de dire la vérité. Et que tu seras plus compatissante envers toi et Béatrice. Que tu ne diras rien. Et que tu vas avoir la force de garder ce secret jusqu'à ce qu'il soit oublié, que tout cela fasse partie du passé et que personne ne s'en souvienne. D'accord? Non. Pourquoi pas? Parce que je dois le dire à Madame Béatrice. Tu n'as pas à le dire à Béatrice. Écoute, personne ne le sait. C'est un secret. Et je suis sûre que Roberto n'en a parlé à personne. Monsieur Gonzalo le savait. Quoi? Oui. Une fois, nous nous sommes rencontrés quand j'étais en compagnie de Bobby. Le soi-disant Bobby. Attends une minute. Attends, Mariana. Tu essaies de me dire que Gonzalo était complice de Roberto et qu'il connaissait toute l'histoire? Oui. Monsieur Gonzalo connaissait la vérité et il ne m'a rien dit. Je me sens tout à coup comme dans un interrogatoire serré. Et vous ne pouvez pas m'obliger à dire quelque chose que je ne veux absolument pas dire. Quel est ce grand mystère, Gonzalo? Qui est-ce que tu protèges? C'est quelqu'un que nous connaissons, n'est-ce pas? C'est bien la seule explication. Excusez-moi, je m'en vais. C'est Adelaida San Juan! Eh bien, on dirait que tu l'as deviné. Non, mais bon, ce n'était pas si compliqué. Je me suis toujours doutée qu'il y avait quelque chose entre elle et Roberto. Et bien sûr, puisqu'elle... était une de mes meilleures amies. Voilà à quoi ça sert les amis, on ne peut pas leur faire confiance. Ah d'accord, c'est pour ça qu'elle s'en va. Adelaida s'en va? Oui, elle s'en va à Paris, voilà pourquoi elle a démissionné de son poste magazine. Et bien sûr que Roberto accompagnera sa chérie. Excusez-moi.
Allô? Je viens de découvrir quelque chose de terrible, Gonzalo. C'est quoi? Arrête de jouer la comédie, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Elle me déteste! Elle ne veut plus me voir! Non, mais pour être tout à fait honnête, je la comprends. Ce que je veux dire, c'est que tu t'es fait passer pour Bobby, pour que tu puisses être avec les deux sœurs en même temps. Et c'était un véritable exploit. Non, ce n'était pas un exploit, parce que je n'étais pas avec les deux en même temps! Calme-toi, mon frère. Tu n'as pas à me donner d'explication, mec, j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu as compris? Compris quoi? Que tu vas te retrouver sans l'une et sans l'autre. Mariana t'a largué. Et quand Scarlett va le découvrir, eh bien je parie... Non, Scarlett ne doit pas le découvrir. Personne ne va rien lui dire. Du moins, elle ne l'apprendra pas par nous. Ah, Roberto, tu as l'intention de continuer avec ces mensonges? Non, non, je vais simplement me taire. Et je vais tenir ma langue. Et d'ailleurs, toi aussi, tu le feras. Je ne veux pas que quelqu'un sache comment j'ai trompé Mariana. Tu t'inquiètes pour ton image? Non, j'ai peur qu'elle en souffre. Je ne veux pas qu'elle n'arrive pas à faire son travail comme il se doit chez Béatrice. Je crains qu'elle n'ait des problèmes avec Scarlett. Enfin, ça ne me semble pas si grave comparé au fait qu'elle va être la risée de tout le monde et qu'on va se moquer d'elle. Cela ne doit pas arriver. Je vais l'éviter. Tu aurais dû y penser bien avant, mais tu ne veux jamais m'écouter. Mariana va malheureusement être la risée du monde de la mode. Je peux te l'affirmer. Seulement si tu décides d'ouvrir la bouche. Arrête, mon Personne frère. Ne doit savoir que je sortais avec Mariana. Eh bien... Tu l'as déjà fait. Tu l'as dit à quelqu'un. Mais non, mec. Comment tu peux penser ça? Alors, continue comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en ai aucune idée. C'est sûr que je vais tout faire pour que Mariana me pardonne. Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de ça. De la part de ton fils, on pouvait s'attendre à n'importe quoi. Si Roberto White veut mettre une femme dans son lit, il n'a pas de limite. Il va acheter, tricher, dépenser, manipuler. Faire semblant d'être un personnage fictif, un homme appelé Bobby Casablanca. Un homme de classe moyenne, avec des principes. Il achète même une bague en diamant et fait sa demande en mariage. Roberto est capable de toutes ces choses, Gonzalo. Mais toi, comment as-tu pu te rendre complice de quelque chose de civil? Mais Roberto est mon garçon. Et donc je suis désolé de te dire que ton fils est un vrai salaud. Bon, ça suffit, Juan Carlos. Je sais que Roberto s'est vraiment mal comporté avec Mariana. Moi aussi, et ce que nous avons fait n'a aucune justification. Mais si ça peut servir à quelque chose, je veux que tu saches que je n'ai jamais été d'accord. Je me suis toujours senti mal avec toute cette farce. J'ai essayé par tous les moyens de dire à Roberto d'être sincère avec Mariana et de lui dire la vérité. Mais tu n'as pas réussi à le faire. Je l'avoue, tu veux savoir pourquoi? J'aimerais bien. Roberto est amoureux de Mariana. Ah, s'il te plaît. Non, 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 c'est la seule explication. Roberto était prêt à faire n'importe quoi, jusqu'à tout abandonner pour garder Mariana à ses côtés. Il voulait vraiment l'épouser. C'est un mensonge, Gonzalo. Non, 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 c'est la vérité. Il y a un moment, quand j'étais dans son bureau, bien avant que Mariana n'apprenne toute cette histoire, Roberto m'avait déjà autorisé à offrir à Béatrice la moitié de ses biens. Attends une minute, Gonzalo. Roberto est prêt à abandonner la moitié de sa fortune? Roberto est complètement fou! Pour se marier avec Mariana, il est disposé à donner la totalité de l'entreprise à Béatrice. Jamais tu n'obtiendras une meilleure offre. Tu ne peux pas dire non à ça. Enfin, réfléchis un peu. Roberto et moi, on ne va pas divorcer. Ah, Béatrice, je t'en prie, tu ne peux pas être si insensée. Roberto ne veut plus vivre avec toi maintenant et tu ne peux pas le forcer. Béatrice, tu sais bien que j'ai entièrement raison. Écoute-moi, la vie est belle. La vie continue et tu dois accepter ce changement, Béatrice. Béatrice! Allô, Mariana? Bonjour, madame Béatrice. Mariana, apporte-moi le catalogue de tissus que Jiménez t'a donné, s'il te plaît. C'est que... Je n'ai pas pu parler à monsieur Jiménez parce qu'il n'était pas dans son bureau. Peu importe. S'il te plaît, viens dans mon bureau. On doit parler de plein de choses, toi et moi. Béatrice, écoute-moi. Je t'en prie, Lina, arrête. Je sais que tu as raison, mais pour l'instant, je ne veux pas y penser. Alors mettons-nous au boulot, d'accord? Si Roberto veut se ruiner, parfait, c'est son problème. J'espère qu'il va laisser tout son argent à Béatrice, mais nous ne pouvons pas nous permettre qu'elle sache qu'il y avait quelque chose entre lui et Mariana. C'est quelque chose qui sera très difficile à cacher, vu qu'il y a trop de personnes au courant. Pas autant que ça. Roberto, toi, Mariana et moi, il suffit que personne ne dévoile rien. Juan Carlos, je ne veux plus dire encore d'autres mensonges. Tu en as assez dit pour couvrir Roberto. Précisément, et maintenant... Et maintenant, il s'agit de faire la bonne chose, Gonzalo, c'est-à-dire protéger deux femmes innocentes. Le temps passe si vite et tout sera oublié dans un an. Personne ne s'intéressera à cette histoire. Si je comprends bien, Béatrice, Elina, pense que Roberto va se marier avec Adelaida San Juan?
Oui, elle se trompe complètement. Elle sait très bien que ce soit comme ça. Hein? Allô, Adelaida? Allô, Juanca. J'ai des nouvelles pour toi. Oui, moi aussi j'ai des nouvelles. Où es-tu? Je suis chez White Textile, mais plus tard j'irai au salon du textile. Parfait. Alors rencontrons-nous dans quelques heures. D'accord? Je t'embrasse. Salut. Au revoir. Tu parles à Roberto et je parlerai à Adelaida. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais la féliciter pour sa décision de ne pas épouser Roberto White. Quoi? Tu ne le savais pas? Adelaida San Juan allait se marier avec Roberto, mais ils se sont disputés, ils n'iront pas jusqu'au bout. Mais ce n'est pas vrai! Il semblerait que si, c'est suffisant. À bientôt, Gonzalo. Les échantillons pour les États-Unis sont partis ce matin. Et quand est-ce que nous aurons une réponse? Nous allons devoir attendre. Je pense que nous les aurons d'ici un mois environ. Et qu'allons-nous faire pendant ce temps? Nous pourrions peut-être créer une nouvelle ligne, une ligne plus jeune. Cela me semble être une très bonne idée. Ah, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Bien, je veux dire que nous pourrions très bien trouver une nouvelle ligne. Mais je ne pense pas que ça vaille la peine que nous mettions de côté ce que nous avons déjà fait. Je pense sincèrement que la ligne pour ces vraies femmes de Colombie pourrait bien avoir un succès retentissant. Tout ce que nous aurons à faire, c'est de lancer la ligne et passer à la confection. Mariana, lancer une nouvelle collection est très compliqué. Mais la partie la plus compliquée est déjà faite. Je veux dire par là que nous avons déjà créé les vêtements et fait quelques échantillons. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'en confectionner de nouveaux et de monter un beau spectacle. Vous avez de bons contacts auprès de la presse pour faire de cette collection un franc succès dans les médias. Comme les machines sont déjà installées, il nous faut maintenant engager des opérateurs pour commencer à travailler lundi et c'est tout. Je ne pense pas que nous devrions attendre plus longtemps. Ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent pensent que c'est facile. Non, je pense qu'elle a absolument raison. Ce serait beaucoup de travail. Mais je pense que c'est un très bon moyen d'oublier Roberto. Mariana, quand vas-tu te marier? Je te pose la question car si on s'implique dans ce projet, j'ai besoin de toi ici 24 heures sur 24. Vous pouvez compter sur moi. Je ne vais plus me marier. Tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui. Oui. J'ai des tonnes de problèmes. Ne t'inquiète pas, ta relation avec Scarlett commence à être vieille. Je pourrais presque t'assurer que tu ne seras même pas dans les infos de ce soir. Mais ce n'est pas réconfortant, je suppose. Tu prends un verre? Non, merci. Je t'ai appelé parce qu'il y a une chose pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Dis-moi. Avec le départ de Tony, notre département création a bien avancé. Mais a perdu son niveau de présentation. Tony était un terrible créateur. Mais il était vraiment doué quand il s'agissait d'organiser les défilés. Alors il commence à te manquer? Ah non, non, pas du tout. Tony ferait mieux de rester à l'écart de White Textiles. Mais j'aimerais bien que ce soit toi qui le remplace. En organisant les événements à venir. Je sais que tu as beaucoup de travail, que tu as une agence de mannequins, il y a aussi le magazine. Mais je pense que tu arriverais à tout gérer de toute façon. De plus, nous ne faisons pas plus de 2 ou 3 défilés par année. Donc ce n'est pas compliqué car ce ne serait pas forcément un contrat à plein temps. C'est que... Roberto, j'aurais souhaité te dire oui. Nous n'avons jamais travaillé ensemble et ça aurait été l'occasion parfaite. Mais? Mais je viens de recevoir une offre d'emploi en France. Et j'ai accepté, je pars la semaine prochaine. Eh bien, je ne sais pas comment je peux te persuader de ne pas y aller et travailler pour moi. Tu veux me convaincre? Bien sûr que tu peux. Mais le seul moyen serait si tu me demandais de t'épouser. Mais enfin, Mariana, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais si heureuse, il t'avait déjà fait sa demande en mariage et il t'avait même offert la bague. Oui. Mais tout est tombé à l'eau. Pourquoi? Je préfère ne pas parler de ce sujet, Madame Béatrice. Ah, parce que c'est très personnel. Toi et moi, nous sommes amis. C'est bien vrai. Je suis d'accord, mais... Ah non, 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 ce n'est pas grave si je vous dérange. Je peux partir pour que vous puissiez discuter tranquillement. Non, 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 pas du tout. Comment peux-tu penser ça? C'est que ma présence vous perturbe? Non. Pourquoi on ne change pas de sujet? Tu ne saurais pas où se trouve Juan Carlos? Non, je ne sais pas. Juanca est peut-être sorti. Juanca? Nous sommes tous devenus de bons amis, alors? Ne t'inquiète pas, Roberto. Je sais que tu ne me demanderas jamais de t'épouser. Si tu ne l'as pas fait quand nous étions ensemble, tu ne vas pas le faire maintenant que nous sommes amis. Oui, bien sûr, nous sommes amis. C'est vrai, juste des amis.
Tu sais pourquoi j'ai quitté le pays, Roberto? Oui. Tu m'as dit pourquoi? Parce que tu as eu une meilleure offre? Oui, c'est vrai. Une excellente opportunité d'emploi. Mais ici, en Colombie, je vais très bien. J'ai ma propre agence de mannequins, j'ai le magazine. Je pourrais rester, mais je préfère partir. Je préfère être loin. C'est mieux que je m'éloigne de toi, Roberto. Je pensais que nous voulions tous les deux avoir une autre approche. Je ne te parle pas d'approche, ne le prends pas mal. Mais tu n'as jamais prétendu être amoureux de moi, ni donner d'espoir. Et alors? Il y a tout simplement certaines situations dans la vie qui deviennent incontrôlables. Et c'est dangereux. Oui. Tu as bien raison, oui. Tu n'es qu'à dégonfler, Roberto White. Et tu ne songes qu'à t'amuser. Je savais que Roberto White était un homme méchant. Mais jamais je n'aurais pensé que tu pouvais tomber aussi bas. Roberto? Je suis désolé, je suis un peu distrait. Roberto, tu es si mystérieux depuis que tu es avec Scarlett. Tu es complètement différent. Non, je me fiche complètement de Scarlett. Si je comprends bien, c'est l'autre femme? L'autre? Tu ne m'avais pas dit que tu voyais une autre femme. Ne me dis pas que tu es amoureux. Oui, je suis tombé amoureux, mais elle ne veut rien avoir à faire avec moi. Je ne dirais pas que je suis contente, Roberto, mais il était temps. Il était temps que tu te rendes compte que les femmes ne sont pas uniquement des jouets. Excuse-moi. Allô? Adélaïda, c'est Scarlett. Peut-on se voir pour discuter? Bien sûr, je serai au salon du textile dans environ 2 heures. Si tu veux, nous pourrons nous voir là-bas. C'est noté. Parfait, alors je te verrai là-bas. Au revoir. Salut. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'on se verra au salon du textile. Voyons, Andri, tu crois que ce que Miguel Angel t'a dit, c'est vrai? Oh, Scarlett, s'il te plaît, Miguel Angel ne me ment pas. Il ne ferait pas quelque chose comme ça, sans aucune raison. C'est bon, relax. Je ne dis pas qu'il a tout inventé. Je dis simplement que peut-être il n'a pas bien compris parce que ça m'a l'air vraiment étrange, tu vois. Honnêtement, je n'arrive pas à imaginer Adélaïda quitter le pays. Elle a tout ici. Pourquoi elle part? Bien, je ne sais pas. C'est ce que Miguel Angel m'a dit. Qu'Adélaïda quitte le pays pour Paris. Et toi et moi, nous allons être abandonnés sans personne pour nous donner des contrats, du travail. Et nous allons mourir de faim, Scarlett. Je suis d'accord avec toi. Béatrice ne doit jamais découvrir cette histoire. Ce que tu veux, c'est que nous continuions à lui mentir. Papa, Juan Carlos a parfaitement raison. Si Béatrice venait à apprendre que je sortais avec Mariana, tout le monde aurait des problèmes, et même toi. Il ne faut surtout pas oublier que Béatrice souffrirait encore plus qu'elle n'en souffre. Elle se sentirait trahie par son assistante, celle en qui elle a confiance et dont elle a grandement besoin. Papa, nous devrions gérer ça avec la plus grande discrétion et essayer d'accélérer le divorce. Béatrice ne veut pas divorcer. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais pourquoi est-ce que tout va de travers? À cause de tant de mensonges, c'est pour ça que tout va aussi mal. Tu dis à Béatrice que j'étais prêt à lui donner la moitié de mes biens sans hésitation. Bien sûr que je lui ai dit. Et elle a cependant rejeté l'offre. Elle en veut plus? Non, ce qu'elle veut, c'est toi. Mais c'est absurde! Non, bien au contraire, c'est tout à fait logique. Elle est toujours amoureuse de toi et elle veut sauver son mariage. Et si tu avais un minimum de bon sens, tu saisirais cette opportunité et tu retournerais avec elle. Papa, mais moi, je n'aime pas Béatrice. Non, bien sûr que non, parce que cette semaine, tu es fou amoureux de Mariana. La semaine d'avant, tu étais amoureux de Scarlett. Et la semaine prochaine, tu seras avec je ne sais qui. Ce n'est pas du tout sérieux, Roberto. Roberto, fais en sorte d'oublier Mariana. Tu lui as suffisamment fait du mal comme ça. Tu dois rassembler tes forces et penser plutôt à sauver ton mariage et revenir avec Béatrice. Tu ne seras pas mieux avec quelqu'un d'autre. Béatrice pense que je vais épouser Roberto? Qu'est-ce que tu en penses? Mais d'où elle sort cette idée absurde? Peut-être parce que tu étais la maîtresse de Roberto et que tu l'as toujours aimé. Et c'est si évident que ça? Un peu, oui. Et du coup, Béatrice doit me détester. Elle s'en remettra. De plus, tu vas en France, n'est-ce pas? Et je ne prévois pas de revenir de sitôt. Alors tu pourrais répandre la rumeur que toi et Roberto, vous avez eu une grosse dispute et du coup, vous ne vous mariez plus? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Pour que Béatrice puisse se détendre, voilà pourquoi. Et tu ne penses pas que Béatrice irait mieux si elle savait que Roberto et moi n'avions jamais prévu de nous marier? Elle ne le croira jamais. Tu as raison. Parfois, un mensonge est beaucoup plus convaincant que la vérité. Je te remercie. Alors dis-moi, le magazine t'a appelé? Eh bien oui, ils m'ont appelé et m'ont offert la direction et une liberté complète pour diriger le magazine comme je le veux. Mais j'ai des doutes. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, Juanca.
Être rédacteur en chef, c'est une grande opportunité. D'ailleurs, tu as toujours voulu être dans le journalisme. Oui, Adélaïda, mais nous commençons le projet d'atelier avec Béatrice et je ne veux pas la laisser seule. D'accord. Nous parlerons plus tard, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Nous parlerons plus tard. Est-ce que je l'ai effrayé? Il me semble que oui. Ah, qu'est-ce qu'il peut être une poule mouillée? Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Moi? Rien. Comment vas-tu? Bien. En ce qui concerne la presse, nous pourrons nous en occuper, Juan Carlos et moi. Et nous remettrons l'organisation du défilé entre les mains de Tony. Tu crois que ça pourrait l'intéresser? Je vais le convaincre. Tony fera parfaitement l'affaire parce qu'il est quelqu'un que les mannequins respecteront. Mais, Tony n'a-t-il pas été viré de White Textile? Il a démissionné parce qu'il ne pouvait pas s'entendre avec Roberto. Ceci dit, je le comprends. Roberto est un homme vraiment très compliqué. Et il s'est toujours trop impliqué avec les mannequins et cela pourrait effectivement gâcher n'importe quel événement. J'ai aussi appris que pendant le dernier défilé au Salon du Textile, il y a même eu une bagarre. Les mannequins se sont battus comme de vraies boxeuses. Et c'était entièrement de la faute de Roberto? Absolument. L'une des mannequins, qui est la maîtresse de Roberto, a essayé de faire tout ce qu'elle voulait. Et du coup, elle a carrément gâché tout le spectacle et le défilé. Scarlett. Oui, c'est bien vrai. Celle qui est apparue dans les médias en parlant de sa relation avec Roberto. Ah, je suis tellement désolée de parler de ta sœur comme ça. Mais bon, les choses sont bel et bien comme elles sont. Selon ce que m'a dit Tony, suite à ce qui s'est passé à ce défilé, eh bien, la relation a pris fin entre Roberto et Scarlett. Et c'est là qu'il a décidé d'épouser Adélaïda. Je suppose. Il y a quelque chose que je ne comprends absolument pas, hélas. Qu'est-ce que les femmes voient dans ce Roberto White? C'est comme si aucun autre homme au monde n'existait et elles finissent toutes par tomber dans son piège. Adélaïda San Juan et toutes les Scarlett de l'univers et cerise sur le gâteau, Roberto est plus qu'heureux de toutes les tromper. Excusez-moi. C'est quoi son problème? Tu es allée trop loin, Lina. Ah, Béatrice, mais... Je sais que tu m'aimes et que tu es fâchée contre tout ça. Mais tu as critiqué Roberto, qui est mon mari. Et tu as critiqué Scarlett, qui est la sœur de Mariana. Béa, c'est que... Je m'excuse à propos de Lina. Elle m'aime tellement que parfois elle est désagréable. Oui, je... Je la comprends. Ah, Mariana, s'il te plaît, ne pleure pas. Ça n'en vaut pas la peine. Écoute, je comprends, c'est ta sœur et je sais maintenant que vous êtes très différentes. Nous sommes très différentes. Mariana, tu sais que je te fais confiance, n'est-ce pas? Je sais que vous me faites confiance, Madame Béatrice. Toi et moi, nous sommes en train de passer par des moments qui sont vraiment très difficiles. Je suis en train de divorcer d'un homme dont je ne veux pas divorcer. Et toi, tu as le cœur brisé par un homme que tu allais épouser. Mais nous sommes ensemble dans l'atelier. Et ensemble, nous allons traverser cette épreuve. Nous ferons face à cette situation. C'est bien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Bobby? Eh bien, c'est quelque chose dont je ne préfère pas parler. Pour moi, Bobby est mort. C'est si grave que ça? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est la chose la plus difficile que j'ai dû traverser dans ma vie. Finalement, je ne l'ai pas vraiment connu et pour moi, il n'existe plus. Donc c'est un chapitre de ma vie que je veux oublier. Maintenant, tout mon temps sera consacré au travail et c'est tout. Très bien. Je vais faire la même chose que toi. Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes sur la même voie, c'est vrai. S'il te plaît, explique-moi ce qui va nous arriver si tu pars en France. Eh bien, Scarlett, je t'ai déjà dit que l'agence fonctionnera toujours. Je finirai par trouver quelqu'un pour me remplacer, ne t'inquiète pas. Ce sera qui? C'est une de mes amies qui vient de rentrer de New York. Elle est jeune et très talentueuse et elle est une bonne gestionnaire. Elle a de très bons contacts parce que sa famille est très importante. Donc une riche héritière? Pour gérer une agence de mannequins, tu dois être riche, du moins le prétendre, ma chérie. Alors tu penses qu'elle pourra nous décrocher des contrats? Imagine qu'elle n'y arrive pas et que toi tu es loin en France. Écoute, elle sera peut-être mieux que moi. Elle est une professionnelle des relations publiques. Elle s'entend bien avec tout le monde, elle est très branchée aussi. Ah, regarde, la voici. Je vais te la présenter. Salut!
Comment vas-tu? Bien, et toi? Voilà, laisse-moi te présenter Lorena Raramillo. C'est elle qui va me remplacer à l'agence. C'est Scarlett, un de nos mannequins. Ah. Bobby était déjà marié. C'est bien ça? Oui. Oui, mais je préfère vraiment ne pas parler de ça. Ça fait trop mal. Mariana, quand tu ne communiques pas, la douleur se transforme en ressentiment et ça te ronge à l'intérieur. Non, je ne vais pas m'empoisonner, Madame Béatrice. Je vais oublier. On va s'en sortir toutes les deux. N'oublions pas que nous sommes ensemble. Nous sommes tous ensemble dans cette affaire. Ça va être un très grand succès. Ce n'est pas ce dont vous parliez? Oui et non. Vous êtes des amis si proches que je me sens comme la troisième roue. Ce n'est pas vrai, Madame Lina. Mademoiselle. Mademoiselle. Vous vous connaissez? Mais bien sûr que nous nous connaissons. Nous avons passé de superbes vacances ensemble, je dirais même. Inoubliables comme vacances. Oh oui, inoubliables. Ah, donc vous êtes déjà amis? Nous avons beaucoup de choses en commun. Non, non. Je ne crois pas autant que tu le penses. Ah, mais comment peux-tu savoir ce que je pense? Ah, parce que ce n'est pas si difficile à deviner. Tu sais, Lorena, les seules qui devinent sont des sorcières. Mais il y a toutes sortes de sorcières. C'est vrai, tu as certainement raison, il y a de jolies sorcières. La plupart d'elles sont vraiment affreuses. D'accord, j'ai compris. Vous n'êtes pas amies. Mais si. Oui, nous sommes amies, Adélaïda. Comment peux-tu dire ça? Les meilleures amies du monde. D'accord, arrêtez de jouer la comédie. Je dois savoir si vous pouvez travailler ensemble toutes les deux. Pourquoi pas? Oh, on ne répond pas à une question en posant une deuxième question, voyons. Tu sais très bien que cela ne se fait pas. Je vais y répondre pour toi. Oui, nous pouvons travailler ensemble, mais on sait bien que souvent l'amitié et le travail ne vont malheureusement pas de pair et nous sommes tellement amis, Lorenita, que tu vois, ce serait tellement bête de gâcher non, tout non, ça. Non, non, non. Non, c'est mieux de ne pas tout mélanger. Oui, c'est mieux comme ça. Tu en veux? Tu m'as l'air d'avoir soif.